pourrais me définir comme je sais pas, un amoureux de la nature à la base, quoi. Enfin, j'aime ça depuis tout le temps. De la montagne particulièrement, et puis surtout des endroits, enfin des endroits sauvages, quoi. Il en reste un peu, mais des endroits où on peut sentir une nature un peu préservée, ça veut pas dire grand chose, mais au moins la ressentir, quoi, déjà, ce serait pas mal. Enfin, quand je le vis pas, il me manque quelque chose, quoi. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, donc j'ai eu plusieurs passions vraiment différentes qui m'ont animé tout du long. Je suis passionné de musique, je suis passionné de photo. Et je suis assez passionné par mon travail aussi, donc la recherche, mais ça c'est un autre niveau encore, c'est plus rationnel, mais en fait je le ressens pas forcément comme ça. J'aime bien apporter quelque chose de lié plus à l'émotion aussi, quoi. En tout cas, c'est ça qui me relie à la science, ce qui est un peu paradoxal. C'est l'émotion que j'éprouve en la faisant. Et à mon niveau, c'est très important. Je pense qu'on va pas le bouger parce qu'il est trop pris dedans. C'est pour ça que j'ai juste dégagé la partie là, jusqu'où je pense couper, quoi, ici. Et le reste, on va le laisser comme ça. Hein. Du coup, là, on est sur un site d'un grand glissement de terrain qui s'étend sur toute cette partie-là, entre 1900 mètres et le pied de la montagne derrière, à 2300 mètres. Donc c'est un glissement important. Et sur ce site-là, ont été retrouvés pas mal de bois, donc dans le corps du glissement, à l'intérieur, dans des petites ravines et aussi en surface. Ils sont là parce qu'ils sont dans les ravines, donc faut imaginer dans le corps du glissement en entier, il y en a partout du bois là. Échantillonnant ces bois, en les datant, on peut essayer de reconstituer les phases d'activité du glissement de terrain, quoi. En fait, on voit les cernes là, et le dernier cerne du bois, il doit être par ici. Donc l'année de mort est plus ou moins ici. Le centre est là, et tout ça, c'est sa durée de vie, quoi. Ceux qu'on a datés pour le moment, ils ont entre 3 et 6 000 ans, ouais, avant aujourd'hui. Pour dater ces bois-là, il faut une référence. L'Autrichien avec qui je travaille, il a mis 10 ans à construire sa référence. Et la référence, elle représente la croissance moyenne de tous les arbres qu'il a trouvés au fil du temps. Donc une référence, on la construit en partant du présent, donc d'arbres vivants. On échantillonne, on mesure les cernes de croissance. Après, on va chercher des arbres un peu plus vieux et on cherche la période sur laquelle ils se recoupent. Et comme ça, on va remonter dans le passé. Avec des arbres qu'on trouve de plus en plus vieux. C'est un peu comme un puzzle, on cherche à combler des trous dans le temps. Et quand on a un arbre qui comble un trou, bah on est super content parce que ça permet d'allonger cette chronologie qui à la fin fait plusieurs milliers d'années, quoi. Et ça, c'est un travail énorme. La finalité, c'est toujours de remonter au climat, en fait. Tous ces outils-là, on les utilise pour essayer de reconstituer le climat de la période holocène, donc l'interglaciaire dans lequel on est, qui fait 11 000 ans. Donc depuis 11 000 ans, on est sorti de la période glaciaire et on est dans une période qui ressemble au niveau climatique plus ou moins au XXe siècle, par exemple. L'arbre, c'est vraiment un intégrateur, quoi. Il enregistre tout ce qui se passe pendant sa saison de croissance et il va le retranscrire dans ses cernes. Les mélèzes vivent jusqu'à 1000 ans. Les pins sambreaux, comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, vivent jusqu'à 800 ans. Et donc, ils permettent de savoir comment le climat a fluctué sur des périodes très très longues. C'est vraiment une archive naturelle
exceptionnel. Spécifiquement ce que je fais moi en France, il y a une autre chercheuse à Aix qui fait un peu ce genre de choses aussi. Et sinon, non, je suis un peu le seul. Après, il y a d'autres personnes dans les Alpes qui font ça, ouais. Une des raisons pour lesquelles j'adore étudier les arbres et la dendrochronologie, donc la croissance des arbres dans le passé, c'est que ça fait voyager aussi dans le passé. Et quand on est en train de les dater, on travaille sur telle partie de CERN et on sait que ça correspond exactement à ces années-là de façon absolue. Donc on sait que par exemple, on est en train de mesurer l'année 1621 avant Jésus-Christ et que c'est pas la 1622, quoi. Et ce fait de voyager dans le passé, ça ouvre aussi beaucoup de portes, je sais pas, sur l'imaginaire, sur le rêve, enfin je sais pas, moi ça me fait beaucoup, enfin à la fois réfléchir, mais aussi ça émerveille, quoi, de pouvoir voyager dans le passé par ce médium-là, c'est assez fascinant, je trouve.